Bonjour Nicolas Repère, on vous retrouve en direct de Seine-Saint-Denis ce matin. Le candidat, il s'en prend beaucoup aux immigrés, aux étrangers. Est-ce qu'il parvient à convaincre dans ce département où les chiffres de l'INSEE donnent un quart de la population d'origine étrangère ? Est-ce que vous êtes avec nous, Nicolas ? En fait, il travaille en tout cas. On a accompagné hier ses militants une opération de tâche sur un marché à Villemomble. Vous m'entendez ? Oui, on était à Villemomble, donc une commune de 30 000 habitants située dans l'est de la Seine-Saint-Denis hier. Et en 2017, au premier tour, les électeurs ici ont placé Emmanuel Macron en tête, juste devant François Fillon. Alors avec Alfred Orange, on a rencontré des habitants pas insensibles au programme du candidat Éric Zemmour. Éric Zemmour, candidat au présidentiel. Et parmi ceux qui prennent volontiers un tract, il y a Suzanne, déçue par Emmanuel Macron. Alors, en avril prochain, c'est décidé. Moi, je vais voter Zemmour. Et Macron, il nous a tellement promis des choses qu'à la fin, il n'a rien donné. On n'a jamais été augmenté depuis qu'il est là. Moi, il me fait de retraite 600 euros. Avec tout ce qu'on a travaillé, tout ce qu'on a cotisé, il valait mieux rester à la maison et toucher l'argent comme certains. Défendre la candidature d'Éric Zemmour en Seine-Saint-Denis, il y en a que ça choque. La France a vu belle lurette qu'elle est, elle est cosmopolite. Mais un thème en particulier résonne dans cette ville cossue dirigée par la droite. Le premier, quand je vote, c'est la sécurité. On m'a voulu arracher mon collier en or. Non, maintenant, je ne mets plus les bijoux. Zemmour, je suis tout à fait d'accord que qu'ils disent ce qui se passe dans les banlieues. Il faut vivre dans les banlieues. Marine Le Pen. Elle est devenue un petit peu trop de l'eau dans son vin. Je me retrouve davantage en Zemmour quand il parle. Il dit tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas. Ce qui séduit aussi, c'est l'attention portée par Éric Zemmour à ces classes moyennes qui se sentent délaissées. Le pouvoir d'achat est très compliqué maintenant. Il faut gagner beaucoup pour y arriver. Tout a augmenté, les gaz, l'électricité, les autoroutes qui augmentent, mais surtout l'essence. Il faut baisser les taxes. Et personne n'a compris ça. S'il baisse les taxes, tout le monde sera content. Alors s'il fallait résumer, Apolline, sur ce marché où nous avons passé la matinée, je dirais à vue d'œil qu'une moitié des passants n'a pas d'avis tranché sur la candidature d'Éric Zemmour. Un quart est clairement hostile à son discours. On a même assisté à quelques échanges assez musclés. Mais il reste un quart des électeurs qui semblent plutôt séduits par les propositions du candidat. Donc Nicolas, ça c'est dans une ville, disons, cossue, comme vous dites, de Seine-Saint-Denis. Est-ce que les militants d'Éric Zemmour vont aussi dans les quartiers plus populaires, les cités dont il parle souvent Éric Zemmour dans ses discours? Eh bien, pour le moment, les 1500 militants du candidat, c'est le chiffre donné par les équipes dans le département, eh bien, ils se font discrets dans les zones les plus populaires du 93. Silvio Valente, délégué du parti d'Éric Zemmour en Seine-Saint-Denis, assume parfaitement cibler les banlieues plutôt aisées du département, là où il existe, selon lui, des réserves de voix. C'est une population beaucoup plus réceptive parce qu'on a quand même, un pavillonnaire assez significatif dans cette région de la Seine-Saint-Denis, parce que dans le 93, on est quand même confronté à l'immigration de façon assez violente, à l'insécurité. Je pense que la Seine-Saint-Denis, avant d'être ce laboratoire de la sécession, a été un laboratoire de l'assimilation. Moi, j'ai vécu en Seine-Saint-Denis toute mon enfance. Dans les écoles, il y avait des gens qui venaient de toutes origines et tous devenaient français, notamment à travers l'école. Il faut œuvrer à ça. Il faut œuvrer parce que c'est une opportunité qu'on donne à tous les gens qui viennent en France de devenir des Français. Alors, les militants d'Éric Zemmour nous assurent qu'ils vont bientôt s'attaquer aux zones les plus sensibles dans le département, là où les idées du candidat sont loin d'être majoritaires. En tout cas, ce soir, Éric Zemmour sera donc dans le département, puisqu'il sera en direct de la Seine-Saint-Denis avec l'émission de BFM TV La France dans les yeux, présentée par Bruce Toussaint. Merci Nicolas Repère. On se retrouve évidemment demain pour un autre reportage, puisque vous passez toute la semaine en Seine-Saint-Denis pour RMC chez vous.